Salam alaikum. Good morning, everyone. Bonjour. Bienvenue à la première conférence algérienne qui nous réunit pour créer du commun, de la dynamique positive. Et maintenant, je pense qu'on est prêt à accueillir sur scène, à s'effacer pour laisser entendre 32 speakers qui vont exprimer sous toutes ses facettes le thème de cette année, l'optimisme. Bonjour. Salam alaikum, Azel Flaouen. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais que tout le monde applaudissent Marhoun et tous ceux qui les ont aidés pour le parfait travail qu'on a fait aujourd'hui. Il a fait plus de 6000 km dans un véhicule qui s'appelle l'Optimiste, qui n'a pas consommé une goutte d'essence. Je commande mon speech ici en français, mais je passe directement à l'anglais. Je n'ai pas expliqué, c'est mon droit, donc je vais le faire. But I am really happy to be here, actually, very happy. J'invite Rodrigo Sepulveda, qui piaffe d'impatience. Salam alaikum, vous allez bien? Allez, on va faire un premier truc, on va tous se lever, s'il vous plaît. Ah bah voilà, voyez. If you have something in your mind and you want to do it, don't let it there. Get it out of your system. That's the best way to do things. Everybody had to have a dream, and the first step to progress was a dream, was having a dream. Because if you don't have a dream, you're going to work for somebody else's dream. Je fais un peu geek maintenant. Ok, glass. Et c'est là où j'ai découvert, et chose qui est très, très peu connue finalement, qu'on peut découvrir des lois de la nature sur ordinateur. On parle de rêve, on ne parle pas de cauchemar. Comment pouvez-vous réaliser un rêve sans avoir un minimum d'éthique? Mais en arrivant, évidemment, moi je crois pas à la chance. Comme on dit, Dieu ne joue pas au dé. Aujourd'hui, l'Algérie a vraiment pris une place à l'international. On nous regarde comme un peu des phénomènes. Quand je vois la qualité des hommes, des Algériens qui nous viennent des États-Unis, qui nous viennent d'Europe, vous-même qui vivez ici en Algérie, il n'y a pas de problème pour faire de ce pays un paradis. I am here to talk to you a little bit about my passion for Algerian art and for this country. It is a dream to be here. For 20 years I wanted to visit. So, thank you. Ce n'est pas pour rien qu'Alger a été chanté, a été l'œuvre de poètes comme Gabriel Odissé ou Guy de Maupassant. Et là où Camille Saint-Saëns venait s'asseoir, prendre un thé et s'inspirer de la musique algérienne pour faire les grandes œuvres théâtrales. Nous ne faisons pas l'amalgame, nous ne disons pas que l'Inquisition est dans l'Évangile ou que le sionisme est dans la Torah. Ne dites pas que la violence est dans le Coran. J'ai l'habitude de vous admirer, monsieur Osmani, dans la discrétion et de loin. Aujourd'hui, je vous le dis, je vous admire en public. C'est une véritable déclaration d'amour. On n'a pas besoin de perdre notre temps avec un véhicule électrique. Donc, il faudrait mieux voir autre projet plus rapide. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci. C'est une photo de Sibrahimi en 1939. En 1957. C'est chez nous. Vous le voyez, monsieur? Je suis un geek, donc geeks don't sit. Je pense que la prochaine Vikram, on le fera au 5 juillet, au moins. Là, on fera un autre géant. Je viens de la Corée. La Corée du Sud ou du la Nord? La Corée du Sud, Zenobia. Oui. Dans le programme, on a mis la surprise. Et on a essayé de la contenir mieux qu'on ait pu. Est-ce qu'on peut fermer la porte de la salle? N'ayez pas peur, hein, c'est juste pour la lumière. Merci, merci. Alors, on vous avait promis une surprise. يعطيك صحة خالد. طول عمرك. واش راك؟ صافا الحمد لله. الو ساكن اوتيدي الشعبي تاعنا انتم اصحاب الرايس في كونتر شوز احنا سيد خلوان هنا او. نوزا في اون كروند سيرفيس. اون اون بوتي سيرفيس. ديما. ريغاردون ليماج. احنا شاب خالد نحبوه بزاف. توجو جزائري حر. نفتخروا بك. الله ربي يسطره ويحفظه. على بالي اللي تبغي لاجيري بصح واهر افونتي. عيشة.
Écoute-moi. C'est difficile, je connais Cheb Khal de dire Naura. C'est pas normal. When we see international corporates, especially American ones, coming in with CSR projects, we always think, you know, there might be some hidden political agendas behind. What do you say to that? Yeah, it's a very good question. Alhamdulillah, les jeunes reviennent vers nous, reviennent vers l'histoire, reviennent vers la mémoire. Je veux savoir, est-ce que vous croyez que l'optimisme est contagieux ou pas? Ce jeune homme qui vient de se lever vient de Tizi Ouzou, c'est une machine à optimisme. On est parti avec mon mari, on a fait un tour de l'Algérie pendant 2 mois et demi en bus. Et on a rencontré 9 femmes très différentes qui sont journalistes, psychologues, sportives. Et le site est vraiment très interactif, je vous invite pas. Ça c'est Khaled, ça c'est à cause de Khaled. Je voulais savoir comment vos époux ont réagi à l'idée d'être dans ce documentaire. Bon, premièrement, on n'est pas mariés. En fait. Ça ne se pas définir par les circonstances et par la guerre. La guerre, c'est la destruction. Par les mots. Type, il dit, je vais construire en état. Mm-hmm. Et ça ne suffit pas de se battre. Détruire, c'est facile. Construire, alors, c'est beaucoup plus difficile. C'est la conviction qui manque. Si on est convaincu que partager nous fera du bien et il y aura une réussite collective, comme on le dit, c'est réussir ensemble, je pense qu'on pourra décoller et qu'on pourra progresser. Je vous félicite pour l'organisation de cet événement qui est sans pareil et qui pour moi traduit exactement l'optimisme dont on a fait preuve et à l'issue de nos rencontres concernant notre grande région qui est le Maghreb. L'optimisme, c'est la jeunesse et quand on fait de la science, on veut se projeter sur l'avenir en ayant une bonne connaissance du passé pour éviter les erreurs. L'optimisme, c'est aussi une démarche qui s'auto-nourrit en fonction des succès qu'on a pu avoir de par le passé. Notre philosophie dans le groupe, c'est toujours de voir grand, commencer petit et aller vite. C'est le titre du livre que je tiens à passer la caméra. Pourquoi ? C'est elle qui fait bouger la société, faut pas attendre les hommes, c'est les femmes qui font bouger la société. Vous êtes en majorité, donc je vais pas vous contredire. Je n'ai pas de musique à la walou. C'est le grand patron, il m'a donné, c'est que lui qui me l'enlève. Nous, on est comme le casino, c'est-à-dire khatra jib, khatra ma jib. Je m'excuse si je... Ça, c'est rien dans la transpiration. J'ai tellement été arrosé durant les éruptions que maintenant je suis en train de... La suggestion, c'est écrivez un livre parce que votre parcours est passionnant pour nous, pour les jeunes, et il doit rester. Je sens pas cette frustration, donc pour moi c'est ça l'optimisme, c'est que je vais me réveiller demain, je vais m'intéresser à notre matière, je vais constituer un autre réseau d'artisans sur... voilà, et ça continue, et c'est ça qui est intéressant. سليم هنا يعني عارفك تدير في دراسة على الأذان اسكو تقدر تفهمني الدراسات نقول باللي الأذان مش فقط طقس ديني لكن الأذان يتجاوز الطقوس الدينية لأنه يقدر يكون عبارة عن هوية صوتية How many definitions of optimism being given for the last few sessions so I don't repeat myself I will add a new one. But of course, as you can see, definitions. Fikra is a definition of optimism. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أشياء لن ترجع. السهم إذا انطلق، الكلمة إذا خرجت، والفرصة إذا ضاعت. Notre pays peut devenir le dragon de la Méditerranée. Never let your dream die, even if it stays inside. Whenever you have the chance, do it. J'ai rêvé de mon pays qui soit le numéro 1 dans le monde, alors j'ai envie qu'il soit le numéro 1 dans le monde. Wow. The definition of optimism is to never give up. It is to believe that tomorrow will be a better day. It is to believe that you have a hand in your destiny. You can change things. You can make things positive. Optimism is very simple for me. There is nothing impossible. Messieurs, soyons réalistes, demandons l'impossible. Fikra est une mine d'or. Et c'est la ruée vers l'or.
Vous voyez, même à mon âge, je continue à rêver. Continue à rêver. La première start-up, sans attendre, la s'appelle Insight Software. Ils ont chacune 3 minutes pour maximum pour donner l'essence de leur projet. L'optimisme pour nous, en fait, c'est de concrétiser le potentiel algérien en une puissance qui peut-être sera la force motrice de l'Afrique, une puissance qui sera la force motrice du monde arabe. We need to start thinking on how to change medicine. I might not change it, but I hope somebody in this room will. Because you, the young, can do it if you keep thinking outside of the box. Ces débats m'ont conforté dans l'idée que rien de grand se fait sans cette belle valeur qui est l'optimisme. Certains philosophes ou hommes politiques de jadis nous disent que le pire est toujours certain et qu'un optimiste est un pessimiste mal informé. Moi, j'ai toujours cru, et je le redis aujourd'hui, à la clôture de cette splendide deuxième édition de FICRA, merci Toufik, merci Mahoun, que l'optimisme est le moteur de l'être humain. Oui, c'est l'optimisme qui nous donne la force de relever les plus grands, mais aussi les plus petits défis. Se réveiller chaque jour de bonne heure pour prendre le chemin du travail et contribuer avec notre action à la création de valeurs et de progrès. Merci à vous tous. Merci à ces formidables speakers qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous. Moi, je voulais surtout vous remercier, vous. Grâce à vous, on fait FICRA. Merci pour vos encouragements. Voilà, merci beaucoup et à l'année prochaine.